parlait depuis longtemps, ça faisait une dizaine d'années qu'il m'en parlait, comme du livre qui lui avait beaucoup, vraiment beaucoup plu. Et à un moment donné où je me suis demandé sur quoi travailler, j'ai repensé à ce livre. Donc j'en ai parlé à Denis, il a été tout de suite emballé. On avait déjà travaillé sur « Oh là là des montagnes », c'était une adaptation de Stevenson qu'avait fait Denis, qui s'appelle Amato, mais elle était beaucoup plus libre, alors que là, il a été plus fidèle au texte. Je travaille directement donc à l'acrylique, je ne fais pas de crayonné, et moi je visualise en fait les formes plutôt par masse, plus que par un trait, et c'est par couches successives. Et au fur et à mesure, le dessin monte. C'est finalement l'ascension d'un jeune homme qui veut devenir écrivain, en fait, finalement, qui découvre un autre monde que le sien, parce que lui vient des bas-fonds, et donc il veut apprendre, il veut se cultiver pour conquérir en fait, le cœur de celle qu'il aime.